tous, c'est Pikami, j'espère que vous allez superbement bien et aujourd'hui au programme, je vous ouvre le coffret Evoli GX. Alors j'ai été super étonnée quand je l'ai vu en magasin ce coffret puisque j'ai pas eu vent du tout de la sortie d'un coffret Evoli, mais alors pas du tout. Surtout que j'ai vu la série Ténèbres embrasées avec Scolocendre et Eternatos Infinimax, donc j'ai pas compris. Je n'avais pas entendu parler d'un coffret Evoli GX, surtout GX en fait, ça aurait dû être Evoli V. Donc je sais qu'il y a beaucoup de coffrets Evoli qui sont sortis, notamment l'année dernière, mais celui-ci, j'en avais pas entendu parler. Donc voilà, j'ai été étonnée et je suis super heureuse du coup de vous en faire une ouverture, puisqu'ici nous avons une superbe carte Full Art, là une belle carte Jumbo Full Art, et ici une autre promo, la SM184 qui est toute mignonne, toute choupie. Il joue avec je sais pas quoi, une espèce de pelote de laine ou une espèce de babal comme un petit chaton, enfin c'est adorable vraiment, et donc je vais vous montrer le coffret dans son intégralité. D'ailleurs j'ai mis un fond Evoli, et bien oui, on fait les choses bien ici. Alors, un cœur vaillant et un esprit solidaire, Evoli GX. Donc effectivement, ça représente bien notre petit Evoli adoré. Ça c'est le contenu du coffret, donc une carte promo brillante inédite d'Evoli, une super carte grand format, donc une jumbo, une carte promo brillante d'Evoli, donc une autre promotionnelle, c'est une holographique. 4 boosters, donc 2 épées boucliers, ténèbres embrasées, série en cours, et une carte à code que je vous laisserai très certainement. Voilà, donc c'est très très simple, hein, un coffret très simple que j'ai payé une trentaine d'euros il me semble. Et comme à mon habitude, je pense que je vais galérer pour l'ouverture. Donc c'est parti, maintenant que vous avez contemplé le design, qui est très très chouette d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et bien je vais pouvoir procéder au déballage. Bon écoutez, le plus dur est presque passé. Voilà, j'espère que j'ai pas abîmé les promos qui sont dingues, elles sont magnifiques. Alors je vais commencer par celle-ci, par l'holographique. Petite Evoli là, trop mignonne. La SM184, trouver un ami, c'est adorable. Et coup de patte. Donc je vous la montre de plus près. Assez simple hein, quand même, mais très jolie. Et ensuite la Evoli GX Full Art qui est superbe et qui me fait d'ailleurs penser à la Full Art du 15e anniversaire, le coffret des 15 ans en fait, de Pokémon. Qui est sorti uniquement au Japon. Ça me fait beaucoup penser à cette Pikachu Full Art. Le design d'Evoli, là, avec le fond grisé, métallisé, ça me fait penser à ça. Voilà, je vous mettrai un visuel si je le trouve et si j'y pense. Donc celle-ci, c'est la SM242 et l'autre, la 184, donc ok, pourquoi pas. Je vais les mettre sous pochette, elles sont trop belles. Vraiment, elles sont dingues. Donc voilà, j'ai voulu ouvrir ce coffret uniquement pour les cartes promo. Et la jumbo qui est quand même assez belle et qui fera un très très beau décor. Après voilà, hein, je vous cache pas que si on peut avoir une bonne pioche dans les boosters, c'est que du bonus, mais ça fait plaisir quand même. Donc ici nous avons deux ténèbres embrasées avec Scolocendre et Eternatos Infinimax. Du Ombre Ardente Soleil et Lune et Éclipse Cosmique. Donc comme les Pokébox en fait, voilà, sans trop vouloir vous spoiler, qui était quand même assez dingue. Donc si on a la même chance dans ces boosters que dans les Pokébox, ouïaïaï, surtout que la Evoli était la plus chanceuse. Je vous laisse découvrir ça, le petit i que j'affiche ici. Allez, ce code, je vous avais dit que je vous le laisserai, donc c'est cadeau. Et donc la jumbo que je vais faire coulisser. Qui au final est exactement pareil que la carte promotionnelle taille normale. Mais franchement, elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Est-ce que je la laisse comme ça? Non, je vais pas la laisser comme ça parce que du coup, je vais l'abîmer. En tout cas, vraiment, elle est sublime. Hein. Avec notre petit fond Evoli, là. Cool, cool, cool. Donc, je suis de super bonne humeur. J'espère qu'on aura de la chance. Je vais commencer par Ombre Ardente. Voilà, voilà. Et puis, Eclipse Cosmique en second. Et voilà, après, vous aurez compris pour la suite des événements. Je vais garder ce code, allez. Je vous laisserai ceux de épée et bouclier. Donc, Thiboudet. Ah, c'est peut-être pas assez près. On verra plus le charmant visage d'Evoli, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Ratatadalula, Flotajou, un chenipan qui est trop beau parmi les fleurs. Porygon, une énergie, un super rappel, Apocyne que j'aime beaucoup. Hypocéan, Diancie qui est certainement une holographic reverse. Parfait. Et derrière, un Rhinastock en holo. Donc très bien, ça commence super bien. Commence en douceur, mais c'est très très cool. Chouette. Second booster.
Donc au final, vous l'aurez compris, ce sera une ouverture très très rapide, mais j'ai surtout ouvert ce coffret pour les cartes promo à l'intérieur. Donc Tadmorph d'Alola, Magnéti, Evoli. Alors là, celle-ci, elle est collector dans le coffret Evoli et tout. Flabébé, Farfuré, 3 pour le prix d'un. Une énergie métal, Jujube et Zuman, énorme. En escouade, Pandarbar, Scarino, que j'aime beaucoup, Wailord, waouh, alors là on a tiré le jackpot, 200 PV, une rare reverse, très très bien, et waouh, 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 super, bah voilà, très très bon booster, Solgaleo et Lunala GX, escouade. Très très belle carte, magnifique. Que je vous ai jamais tiré en vidéo d'ailleurs, que j'aime et que je ne vous ai jamais tiré. Donc oui, parce que j'ouvre un petit peu des boosters hors caméra aussi pour moi, pour mon propre plaisir, quand j'en achète, etc. Donc pour compléter aussi mes collections, c'est surtout ça aussi. Donc ça, c'est cool. Oui, quand j'estime que je vous ai assez ouvert certains boosters ou certaines séries, eh ben, je me contente simplement d'en ouvrir de mon côté. Parce que j'ai pas envie de vous saouler avec la série en question, de faire une overdose de séries. Donc très bien. Voilà. Très bonne carte, très très jolie. On a une holo et une GX pour l'instant. Super! Franchement, Evoli, elle est trop 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 chanceuse, c'est un truc de ouf. Surtout, en tout cas, avec cette série Ténèbres Embrasées. Parce que quand même, la Pokébox, c'était justement pour la série Ténèbres Embrasées. Il y a des boosters Ténèbres Embrasées à l'intérieur. Et c'était le coffret, c'est également Ténèbres Embrasées. Donc en tout cas, là, ça fonctionne plutôt bien. T'es froid. Carabing, Meltan, Vorastéry. Vraiment trop trop chelou l'illustration. Super bizarre. On dirait qu'il est agacé par Corallian qui est en train de chanter. Ça faisait un truc comme ça. Et je pense que c'est ça en plus parce qu'on voit une espèce de mélodie là comme ça. Enfin bref. Je me suis jamais attardée dessus donc je le fais aujourd'hui. Chakripan, toujours très beau. Une énergie, Peterson, énergie puissance, Predastéry. Waouh. Elle est vénère. Topicker en Common Reverse et Faramp en rare qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce Pokémon en plus. Et tout dernier booster avec Scolossandre. Tadadam ! Petit code qui fait bien plaisir, je l'espère. Et tout dernier booster. Allez, on va voir ce qu'on peut obtenir. Peut-être une holographique, ce serait pas mal. Watwat, Snubbull, Tauros qui est super beau, Minisange, Monsieur Mime de Galar, une énergie électrique, très important la électrique, Vibranymph, Flamoutant, Céleroc, encore Vibranymph, mais cette fois-ci en reverse, ça fait plaisir en reverse, et waouh, ben je l'ai appelée, elle est venue, Pachiraja en holo, ah trop cool, et je sais plus si je l'ai par contre, je crois que je l'ai déjà vu, mais je sais plus si je l'ai, alors là je pourrais pas vous dire. Et je n'ai plus de pochette. Est-ce que j'ai une pochette? Non. Bah non, j'ai plus de pochette. Non. Bon bah c'est pas grave. J'en mettrai une après. Mais en tous les cas, ça nous fait quand même 3 holos. 3 holos, 2 holos, pardon, et une GX. C'est quand même mieux d'avoir une GX qu'une troisième holographique. Quand même, faut pas se le cacher. Et on a eu des rares reverse qui est Giancy et Wailord. Donc franchement, très très cool pour cette ouverture. Trop contente. Franchement, en un coffret, 4 boosters, on a eu 3 bonnes cartes. Deux Zolun GX, c'est dingue quand même, franchement c'est dingue. Alors je vous les mets en fond de vidéo parce que c'est quand même trop la classe, elles sont trop belles. Et surtout, bah quand même, on a eu nos deux petites cartes d'Evoli qui sont pas négligeables, avec le Evoli GX Full Art et le Evoli holographique. Je vais les mettre ici, elles sont trop belles. Juste pour ça, ça vaut trop le coup d'aller acheter le coffret. Alors par contre, je crois que c'est une exclusivité du magasin que... Je sais pas si c'est une exclusivité, mais j'en ai vu nulle part ailleurs en vrai. Et je me suis même renseignée un petit peu sur eBay ou quoi, s'il y avait des gens qui vendaient le coffret. J'en ai pas trouvé, donc voilà. Ben, en tout cas, très contente d'avoir pu vous rapporter ce coffret à la maison pour en faire une petite ouverture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fait vraiment super plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais plein d'énormes piques et bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.